Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo, Tamriel Unlimited, The Elder Scrolls Online. Donc nous avions fait la quête la dernière fois, juste avant d'entrer pour aller buter Angoff, je crois. Il nous fallait rentrer et la faire arriver une zone protégée, c'est ça. C'est parti, allons-y. Ouh, on a été surélevé. Le grand cimetière de Casbedro accueille la noblesse bretonne depuis des millénaires. Aujourd'hui, la dernière demeure des rois bretons a été souillée par les ronces grouillantes et sombres. Et la sombre nécromancie d'Angoff, le chant te tombe. Pourquoi pas, si tu le dis. Ok, parfait. Oula. Un zombie. C'est le zombie. Non. Tu t'arrêtes, te dis-je. Alors. C'est joli cet endroit. C'est très très gai en plus. Très joyeux, très guilleret. C'est verrouillé là-bas. Alors on va se jeter quand même pour voir s'il n'y a pas 2-3 bouquins ou trucs dans le genre. Recule. On m'appelle Légolas dans le métier, fais gaffe. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Rien. Par là, strictement rien. Ici non plus, j'aime pas suivre quelqu'un, c'est terrible. Là, on peut pas ouvrir. Parce que j'ai l'impression de tomber toujours après la bataille. Gloria Fausta. Cette pauvre âme n'en a plus pour longtemps. Son sang est en train de bouillir. Si tu le dis. Je sais pas de qui tu parles, mais si tu le dis. Voilà, dégage. Oui, je suis désolé, ça fait déjà 7 vidéos que je tourne aujourd'hui. Je commence un petit peu à me décrocher de la réalité, à vrai dire. Oh, il est beau ce zombie là-bas. Bonjour madame. Appelé. Oh, putain, qu'il est. Il a une espèce d'armure, oui. Oh, d'accord, c'est stylé. Enfin, je veux dire, une armure au niveau de la barre de vie, bien sûr. Merci pour l'éclairage. C'est vraiment sympa. J'imagine que c'est pas très très bon de s'enterrer là-dedans. Apparemment, Est-ce que je suis dans la bonne direction vraiment? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? Ah putain. En plus, on a une map complètement découverte et je me fais baiser comme ça. Allez. Bon, bah d'accord. J'ai pas trop compris ce qui lui est arrivé. Mais c'est pas grave. Oh, capuche du sorcier, ça peut être sympa ça! Attendez. Du nordique, non. Voilà, ça par exemple.
Voilà. J'aime bien les capuches en... en armure. Ah, puis elle rend super bien et tout. Parfait, bon, on va partir avec ça. Hop là. Ok. J'ai pas tant compris. Main de gloire. Oh. Cool. Ah non, il me faut la main de gloire. Je sais pas ce que c'est, mais il me la faut. Alors là, non. Non, 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 non. Je vais pas me... je vais pas laisser passer ça, on va dire. Détruire. Oui. Et l'arc en érable. Il est bien mieux que le mien. Bah je vais supprimer le mien. Tant pis. Détruire. Hop, et on va récupérer l'ancien, le nouveau. Ah non, je l'ai supprimé. Eh oh. Ah, il comptait pas comme un truc de l'équipement. Bon bah. On vire l'épée, c'est pas grave. On la récupère et on va l'enchanter nous-mêmes. Étourdissant. On va mettre ça. Hop. Hop. Il est un peu plus efficace, effectivement. Ok. Je suis pas allé voir ce que c'était que la main, là, la fameuse main. J'aurais clairement dû. Ah, là voilà, la zone protégée. D'accord. Intéressant. Couvercle du cercueil protégé. Wow. Là voilà. Tu devais pas venir avec des soldats? Ah si, c'est quoi? Et voilà. Salut. Bien. Vous avez trouvé l'endroit idéal pour... Attendez. Où sont les autres? Les autres? Oui. Sieur Lannis et ses chevaliers se sont portés volontaires pour m'accompagner. Mais je ne vois que Dame Alexine. Nous devions être trop nombreux pour la pierre. C'est ennuyeux. Les autres chevaliers peuvent avoir été dispersés dans les cryptes. Je vais chercher les chevaliers manquants sur le chemin de Vergoff. Bien. Mais écoutez, il n'y a qu'une façon de sortir de ces cryptes. Vous devez tuer Angoff. Oh putain. Je n'ai merci pas d'autre moyen de neutraliser ces diverses protections et défenses maintenant que je suis ici. Il meurt ou nous sommes piégés. Au revoir. T'aurais pu me dire ça avant. C'était vilain. Franchement, c'était vilain de ta part. Hop. Ok, t'avais quoi sur toi? Bâton infernal en érable. Je peux le prendre, parfait. Continuons. Brie artisanale, je les prendrai bien, je peux les prendre. Parfait. On évite le repop. Et on descend. Hop. Hop.
Merci. Pourquoi pas. Hop. Descendons. Ah, allez, voilà. Voilà ce qu'on avait perdu tout à l'heure. On va aller voir d'abord Darien Gauthier. La taverne, j'avais dit. Rendez-vous à la taverne. Y a pas de bière ici. Juste des zombies et des tentacules. Exact. Et elles sont où les servantes? Vous m'aviez promis des servantes. Enfin bon, au moins vous arrivez juste à temps. Nous n'avons cessé de nous rencontrer dans les lieux les plus captivants. Le sort de cette chère Gabrielle n'a pas fonctionné comme prévu. Par chance, certains d'entre nous ont réussi à se retrouver. Je vois ça. J'ai aussi incité un adepte de Sangrépine à me dire comment atteindre Angoff. Je peux être très persuasif à mes heures. J'ai du mal à te croire, mais qu'avez-vous découvert? 3 serrures protègent le sanctuaire intérieur d'Angoff. D'accord. Je doute que frapper à la porte suffise pour y pénétrer. D'accord. Vous avez besoin de 3 fragments clés pour ouvrir les serrures. D'accord. Ils sont bien gardés, alors préparez-vous à livrer combat. T'inquiète pas pour ça. Je trouverai les fragments clés. Je vais pouvoir vous aider, mais on a besoin de moi ici. Lannis sait se servir d'une épée, mais je suis plus doué. Je vais protéger les survivants. Prévenez Lannis si vous tombez sur quelqu'un d'autre. Et où puis-je trouver ces fragments clés, une idée? Je ne sais pas exactement, mais l'adepte de Sangrépine m'a parlé des gardiens. Prenez garde à une créature invoquée, un piège insurmontable et un esprit guerrier lié au service d'Angoff. Je veux pas en savoir plus, je veux garder le suspense. Merci. Lannis. La mage Benel nous a dit que vous étiez entré à l'intérieur, à la poursuite d'Angoff. Nous voulions vous aider, mais j'espère que nous n'avons pas fait plus de mal que de bien. Que s'est-il passé ici? Nous avons rejoint la mage Benel dehors. Elle a dit que vous emploieriez une pierre d'entrave pour nous appeler. Puis tout d'un coup, nous voici dans l'obscurité et encerclés par une horde de morts-vivants. Le reste du contingent ne doit pas être loin. Plus de chevaliers! Où ça? À mon avis, ils sont plus loin dans les catacombes. D'accord. Si vous trouvez les chevaliers, envoyez-les par ici. Je tiendrai le passage avec cet idiot téméraire et sa folle d'amis. Pourquoi pas? Quand il ne compte pas Fleurette. Alors maintenant qu'on a une map, on va la regarder. Je comprends pas. Ah non, je me trompe complètement d'endroit en fait. Ok. Donc vaut mieux qu'on passe par droit devant. Hop. Pas grave. Dommage, j'aurais dû régénérer de la santé. J'aurais dû en profiter. J'ai été stupide. Allez. Ah, je l'ai pas tué. Non, j'ai l'impression d'avoir quelques lags, mais ça doit être dans ma tête. Voilà. Parfait. Descendons. Non, je n'ai pas assez d'endurance. Je n'ai pas assez d'endurance, on va prendre un petit sérum. Hop. Salut l'ami. Ok, oh. Il me la faut. Il me la faut, chers amis, je suis désolé. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je l'ai utilisé, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. I have no idea what it is. Oh, je la connaissais déjà, fait chier. Oui, je le vois. Juste là.
Dame Limen. Ne vous approchez jamais d'une personne aussi discrètement, vous risquez d'y perdre la tête. Vous devez être l'ami du mage Benel. Vous me connaissez ? Vous êtes le cinglé qui nous a devancés dans les catacombes, n'est-ce pas ? C'est moi. Au fait, est-ce que les autres chevaliers sont passés ? Le sort de Lien semble ne pas m'avoir amené au bon endroit. Siorlanis et les autres sont tout prêts. Vous devriez les rejoindre. Je sortirai dès que je trouverai un chemin dégagé. Un avertissement toutefois. Le suturé qui se tient dans la chambre suivante est extrêmement costaud. Je m'arrangerai pour le tenir écarté des totems qui l'entourent si je devais l'affronter. Des totems, j'y penserai. Intéressant. Totem. What? D'accord, il s'est retépé là-bas. Tous les coups, c'est ça. Ça, je trouve ça un peu naze. Le jeu nous donne des indices et ensuite il nous baise. Non, franchement, je trouve ça un petit peu stupide. Alors voilà. Et boum! Et boum! Au final, ça a été extrêmement simple. Bon, j'aimerais bien qu'il ait un petit coffre ou un truc comme ça dans le dos. Même un bouquin, j'aurais accepté en fait. Pas grave. Il y avait un paquet de totems cependant. Map! Si je remonte par là et que je prends à gauche, on devrait être bon. Bah alors ? T'en a fallu du temps pour réagir, hein. Bon, la suite. Augmentation de flou au rang 1. Cool, au rang 2, pardon. Voilà, ça c'est plutôt bien fait. Ça c'est complètement bloqué. Là, il n'y a pas de bouquin. Dommage, dommage. What? D'accord. C'est quoi ce coffre? Vous pouvez pas ouvrir cette serrure. D'accord. D'accord, j'ai compris. Oh, un squelette. Merci l'ami. Hop, ça se passe extrêmement bien. Hop, merci pour les pièces. Merci, 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 merci pour toutes les pièces. C'est pas extrêmement dur, hein. Coffre du fourbe, pourquoi pas. Le fragment du four, mais j'ai cru voir quelqu'un qui était de notre équipe. Sieur Kalot Nalskin. Restez à l'écart, ce lieu est piégé. Ne vous faites pas prendre comme moi. Je l'ai examiné pour en comprendre le fonctionnement. Le piège a des gardiens.
Il pourrait être la clé pour les désarmer. Quel gardien, dites-moi ce que vous avez vu. Après qu'un piège se soit déclenché. Bah, j'ai déjà fait. Je suis pas le seul en vie. Eh non. En fait, ils sont juste là, tes potes, hein. Non, je croyais. Juste après, en fait. Voilà. Yop. Alors, map. Attends, c'est à gauche. Boum. Ça se passe plutôt bien. Hey, salut les gens. Oups. Je crois que ça c'est con quand ça arrive. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver le lien vers mon partenaire gamesplanet.com. Donc, comme ça, vous cliquez dessus, vous allez voir s'il y a, normalement il y a Tamriel Unlimited. Donc, de vendu, il est vendu avec un prix assez encourageant normalement. Et puis en plus, le jeu est bon, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à y aller, bon, si vous voulez m'en faire profiter, ce sera encore plus sympa. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Oula, je me trompe de bouton, c'est vrai. Ici.